Kennedy de Turobi, ils ont eu 5 contre 3 contre Soweto de Djoudoubou. Deuxième, ils se sont retrouvés avec 0 contre Niadou de Samin. Tessito toujours, 0 but partout contre le foyer de Morikunda de Simbani Balan, et ils sont allés aux séries le soir de tir au but, 3 pour Tessito et pour Morikunda. Pour Morikunda de Tanaf, vous avez, ils ont fait, ils ont gagné 1 but à 0, c'était contre Ferran Bali de Karantaba. Ensuite, le second match, Morikunda de Tanaf a eu, ils ont fait match nul avec Kenny. Ils sont allés aux séries de tirs au but, 6 marqués du côté de Morikunda et 0 marqué du côté de Kenny. C'était 1-0. Non. De Kenny. 1-0. Donc, je pense qu'il va falloir rectifier cela. Morikunda. Allez, toujours qui termine son demi-finale tout d'un bout avec un but à 0. Myriam, voilà donc oui, une jolie prestation. Oui, ils sont tous, c'est parti. 22 à 2 dans le terrain sur 44 pieds et on se fait la France. Et voilà donc Myriam, vous l'avez dit, c'est parti. 4 minutes de jeu déjà dans cette finale terminée qui est parlée. Voilà donc les talents arbitres comme on les appelle dorénavant dans le jargon arbitral du Sénégal, les talents, les jeunes talents arbitres, puisque il est soupçonné, on peut tout à tout moment l'appeler dans le grade des fédéraux. Merci Daouda qui tire et le ballon va passer largement à côté du poteau gauche de la débute de Abdoulaye Diallo. Eh bien, je pense que dans cette partie, il n'y aura pas, mon ami Marion, un round d'observation, puisque chacun va vouloir éviter les épreuves insupportables fatidiques des tirs au but. Oui, Kenny, parce qu'ils ont le même football et là tout va se passer dans le rond central. Celle qui gagnera, n'est-ce pas, la bataille du milieu, peut-être remportera ce joli trophée. Joli trophée, en tout cas, deux jolis trophées. Plus, il ne faut pas oublier les trophées. Ça va donner pour le petit gabarit Adama Final dans la frappe, attention, ouais. La première tête de la frappe. Voilà, Nioro. Vous avez entendu derrière moi les appels. Quelle frappe, quelle frappe. Ils sont dangereux, ils sont attaquants, Atakunda. Ils sont très très dangereux. Il va falloir que le portier la défense de Morikunda redouble de vigilance, sinon Adama Gata et sa ligne d'attaque, on peut faire très très mal à cette équipe. Oui, on est tenu parce que dans une équipe. Écoutez, en fait, ça fait très très longtemps, on n'a pas vu une action de la zone de Atakunda arriver à mettre la balle. Comme le disent mes amis, voilà, aujourd'hui, ça permet d'apaiser un peu le climat difficile qui règne à Samin. Ce jeune victoire va apaiser. Quand il joue avec la douleur, ils ont perdu un peu hier nuit. On a son nom d'une ambiance. Ce sont des jeunes qui jouent certainement au football et qui ne sont pas laissés faire.
parce qu'aujourd'hui, on le voit partout, les autres. Oui. Mais les gars, c'est toi qui amène les gens. Les sportifs. Certainement. Alors, tous sont des sportifs. Vu le geste technique. Donc, si vous pouvez me le permettre en premier. Hein? Je vais faire une grande journée. On y passe. Qui passe son plein, je pense que une petite Vai, 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 v
champion sortant, ce qui fait que 16 en cadet et 16 en senior, nous avons 32. Alors, l'innovation de taille, on a entendu le micro central annoncer dans le département de Gouron, 15 départements, il y a qu'un seul maire qui a donné une enveloppe de 100 000, une lecture. Est-ce que les maires ne sont pas conscients de l'appel de la jeunesse? Bon, je ne peux pas me prononcer là-dessus trop, parce que c'est vrai, nous avons envoyé des lettres de soutien depuis un mois à tous les maires, leur faisant part que cette année les compétitions vont passer de 16 équipes à 32. Bon, on a demandé simplement un soutien, mais ce n'est pas obligatoire. C'est l'occasion, vous l'avez dit, de saluer et remercier également le maire de Diarabunda, qui est le seul maire parmi les 14 autres, parce que je n'ai pas compté les maires de Mangadou qui lui accueillent la compétition. Donc parmi les 14 autres maires, c'est seul le maire de Diarabunda qui a vraiment soutenu l'ORECAV à hauteur de 100 000 francs. Donc, bon, c'est des soutiens, hein. On ne va pas se focaliser là-dessus, mais on aimerait en tout cas que les années à venir qu'ils fassent un effort pour venir en aide à l'ORECAV, parce que ce n'est pas facile de recouper directement là. Est-ce qu'on comptait toujours organiser cette année? Non, vous savez, on ne peut pas chaque année organiser dans la même localité. Et c'est des situations qui créent des frustrations. Des non-dits, c'est une rotation. Nous avons choisi Mangadou parce qu'on a d'abord envoyé une équipe sur le terrain pour voir quelles sont les phases pour être communiqué. Mais quand l'équipe a présenté son rapport, on s'est rendu compte qu'on ne s'est pas trompé de choix. Pourquoi? Parce que dans le rapport de l'équipe technique, on nous a fait part que le maire de Mangadou a entamé un chantier de pose de grilles de protection. Donc, nous, vraiment, on était tellement motivés, on était tellement pressés que le jour arrive. Parce que dans le département, nous avons 15 communes.
pour la première fois, vous avez été choisi. Pour la première fois, vous avez été choisi comme parrain des phases départementales. Il y en a eu d'autres parrainages que vous avez eu dans le département, un département dépourvu d'infrastructures sportives. Donc, quel est le sentiment qui vous anime au regard de ce potentiel de joueurs qui regorge le département de Boulogne? Merci beaucoup. Mais je crois que déjà, on peut dire récapitulatif. Je crois que j'ai été aussi le parrain départemental en 2008, à l'occasion de. Dans le mandat de mon frère Colombio, justement, effectivement, aujourd'hui, on est très content vraiment de parrainer cette activité-là. C'est vraiment une très forte, intense expression de fête de la jeunesse. On est très content, très satisfait. Par ailleurs, par rapport à la question, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, le projet qu'on aurait attentif à la jeunesse et par rapport aux préoccupations sportives du département. Tout le monde sait que dans le département aujourd'hui, en termes d'infrastructures sportives, le département n'est pas en cours. Ça, je crois que tout le monde peut le constater. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un appel qu'on peut lancer à l'endroit de toutes les autorités afin vraiment de résoudre, si possible, cette question-là. Alors, je disais que, voilà, j'avais côté là du tout, on est le parrain de ces parcs départementales qui est allé. Alors, concernant ces parrainages, j'avais fait la secrétaire de fonctionnement, un souci, hein, parce que je pense que déjà, accompagner la jeunesse, c'est un peu normal. Nous sommes très sénères. Maintenant, par rapport à la question des infrastructures, je pense qu'aujourd'hui, dans le département de Boulogne, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, je pense que l'autorité, le contrôle, accompagner les départements, par un terme bien Merci beaucoup. Moi, c'est Lamine Côté, docteur Côté, maître de conférence à l'UQAD. Et puis, par ailleurs, parent de. Effectivement, ouais. Pour la première fois, vous avez été choisi comme parrain des phases départementales. Il y en a eu d'autres parrainages que vous avez eu dans le département, un département dépourvu d'infrastructures sportives. Quel est le sentiment qui vous anime au regard de ce potentiel de joueurs que regorge le département de Boulogne? Merci beaucoup. Mais je crois que déjà, un petit rectificatif. Hein. Je crois que j'ai été aussi le parrain départemental en 2008, à l'occasion de. Durant le mandat de mon beau-frère Bolon Diop. Mais justement, effectivement, aujourd'hui, on est très content vraiment de parrainer ces activités-là, qui est vraiment le moment très fort, intense d'expression de, n'est-ce pas, de fête quoi, de la jeunesse. On est très content, très satisfait. Par ailleurs, par rapport à la question, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on prête une oreille attentive à la jeunesse et par rapport aux préoccupations sportives du département. Tout le monde sait que dans le département aujourd'hui, en termes d'infrastructures sportives, le département est le parent pauvre. Ça, je crois que tout le monde peut le constater. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un appel qu'on peut lancer à l'endroit de toutes les autorités afin qu'ils puissent vraiment résoudre, si possible, ces questions-là. Voilà. Bon, je disais que voilà, la même côté là tout deux, hein, n'est que le parrain de ces phases départementales pour les cadets, contentant si parrainage B. D'ailleurs, je l'ai accepté avec aucun souci, hein, parce que je pense que déjà, accompagner la jeunesse d'après l'un, c'est tout à fait normal pour nous qui sommes les aînés. Maintenant, par rapport à la question des infrastructures, je crois qu'aujourd'hui, dans le département de Boulogne, il y a beaucoup de problèmes, vraiment beaucoup de problèmes. Donc, je pense qu'autorité aussi, il faut une rôle, comment accompagner le département, n'est-ce pas, en termes d'infrastructures sportives de haut niveau, afin que la jeunesse puisse vraiment s'exprimer, n'est-ce pas, pendant ces événements-là, vraiment. Allez, merci beaucoup, merci. C'est pour qui? Ça c'est pour qui? Le tas vient, on parle. Bonsoir à tout le monde, c'est Léonce Nzali, d'âge du ministère de la Culture et de la Communication et président du mouvement politique Nieta, qui signifie en français allons-y. À l'espace de 2 ans, vous avez accueilli la jeunesse régionale. Cette année, vous avez accepté également de parrainer la jeunesse départementale comme département dépourvu d'infrastructures sportives. D'abord, quel sentiment vous anime au regard de cette ambiance qui règne ici? Oui, je voudrais d'abord, avant de réagir par rapport à votre question,
remercier les organisateurs, c'est-à-dire le président de l'ODECAF de Goudamp et son équipe, toutes les autorités administratives qui sont impliquées pour la réussite de cette manifestation. Je parle des autorités administratives, y compris aussi les autorités locales, en particulier le maire de la commune de Mangarungu. Chapeau bas à toutes ces autorités, à la jeunesse du département de Goudamp, que je remercie aussi vivement, y compris les différentes AEC qui ont pris part à ce Nawetan et qui ont joué, mais malheureusement certains sont très tôt partis. On les encourage par rapport à leur participation et au fair play qu'ils ont fait preuve durant ces manifestations. En ce qui concerne maintenant les phases départementales en tant que telles, il est vrai que j'ai été l'année passée parrain des phases régionales. Cette année encore, ils ont porté leur choix sur ma modeste personne. Certainement, ils savent les raisons qui les ont motivés, mais je sais que quand même, ils ont porté leur choix sur la jeunesse. Je suis jeune, je représente toute la jeunesse du département de Goudamp. Donc c'est déjà un signe qu'il faut des jeunes un peu partout. Par rapport maintenant aux activités, aux difficultés dont la jeunesse souffre, je pense que le premier problème du département de Goudamp, c'est un problème d'infrastructure. Et dans tous les domaines, je peux même me permettre de citer dans le domaine du sport, particulièrement, il n'y a aucune infrastructure au niveau du département. Quand je parle d'aucune infrastructure, c'est-à-dire une infrastructure digne de nom, qui puisse au moins servir de miroir au département de Goudamp, de vitrine au département de Goudamp. Nous n'avions rien au niveau du département. Aussi bien au niveau du chef-lieu du département Goudamp, commune, au niveau des autres localités, nous n'avions pas un terrain digne de ce nom ou bien un stade qui puisse au moins accueillir ce genre de manifestation. Parce qu'on aurait souhaité quand même qu'un jour les phases nationales puissent être organisées au niveau du département. Mais si aujourd'hui la structure nationale est tentée de nous proposer cela, nous serons dans des difficultés pour pouvoir organiser ce genre de manifestation. Donc nous lançons un appel aux autorités, particulièrement au ministre des Sports et à son équipe, pour qu'au moins qu'ils puissent nous faire un clin d'œil et nous aider dans ce sens. Le département de Goudamp aussi, c'est la pauvreté, la précarité. Les jeunes sont automatiquement candidats à l'immigration clandestine. Vous êtes leader, votre voix porte. Quelle analyse faites-vous de ce phénomène? Par rapport à votre question, je pense que c'est une question qui est aussi nationale. Hein. C'est un problème national. Le problème de l'emploi des jeunes, de l'emploi et l'insertion des jeunes. Nous l'avions tous constaté, hein. À la suite de l'appel du président de la République, des sorties du président de la République, de l'autorité, je pense qu'aujourd'hui, nous assistons au moins à des réactions, à des actes concrets qui sont en train d'être posés par l'autorité, par la plus haute autorité. Et il y a plusieurs structures qui ont été mises en place et qui aujourd'hui sont en train effectivement de prendre en charge la question de l'emploi des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut autoriser aussi que nous, à notre niveau, nous qui sommes des responsables politiques, que nous puissions à chaque fois communiquer dans ce sens, encourager les jeunes au moins à croire à leur potentiel. Leur potentiel, c'est-à-dire d'être des entrepreneurs locaux même. C'est-à-dire, il ne faut pas toujours penser que l'État doit tout faire pour soi. Il faut au moins prendre des initiatives. Maintenant, et solliciter par là quand même, et l'accompagnement de l'État. Je pense que c'est de ça dont on a besoin. Et qu'aujourd'hui, les autorités, y compris les autorités administratives, que les autorités politiques, nous devrons au moins nous engager tous pour ce combat-là. Qu'il n'y ait pas au moins de singularité, qu'il n'y ait pas de particularité ou bien de division dans ce sens-là. Que tout le monde s'engage pour ce combat-là, parce que c'est une question nationale. Je suis allé à la phase sportive et départementale du Goudamp. Di gërëm d'abord ngeen balma commencé d'abord par gërëm nit ñi gërëm le président de l'ODECAF de Goudamp mom ak équipe am yépp ñom ñima tan mu nekk parrain pour phase départementale xawma lutax ñu tan ma ñom rek ño xam lutax ñu tan ma nima ko waxé fenen né xeyna dañu choisir un jeune
pour représenter tous les jeunes du département de Goudaou. Donc je remercie le président du conseil, le président de l'ODECAF de Goudaou. Je remercie aussi l'autorité administrative, madame, préfet, sous-préfet, et l'autorité locale, madame, monsieur le maire, particulièrement le maire de la commune de Mangarungu. Je suis en train de faire des choses pour di sante ak di gëreum yeneen équipe yi nga xamanteni jot nañ fi ñëw football si yef yi neex gis ñu fi ben incident noté wuñu ko fi yef yi neexoon na donc ñu ngi gëreum ñëw ñi yépp di leen sante bu baaxa 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 baax di ñaan ki yalla yalla na yef yi woy continue ni nu melni ren yalla na woy di mel nonu ati di ñëw li jëm ci walum infrastructure manam juntu kay au niveau du département de Goudaou ñep sét na ñi département de Goudaou danaka fi on manque de tout bu dé ay terrain la amuñu ko depuis bo jëlé au niveau du chef lieu de du département commune de Goudaou fofu amu fa ben terrain bu baax bo ñëwé ci yenen commune yépp toutes les autres 15 départements ci yenen département et commune du moins au niveau de la commune de Tanaf particulièrement dont je suis, il n'y a pas de terrain bu baax amu fa. Donc tay ñu ngi ñaan autorité ñaan monsieur le ministre des sports mu gestu ñu bay ñu xel ne serait-ce que au niveau du département ñu am buñ fi doon am sax ñaar ba ñet stade municipal sax xeyna tay Goudaou dina sigi parce que fi amna ay talent tay bo sété fi dañuy dem comme ñep dem ay phase nationale bo sété dans le domaine du sport je ne dirais pas seulement du football mais dans le domaine du sport le karaté le taekwondo yenen athlétisme yoy yep le département de Goudaou yenn sa ñun ñoy dem au niveau national athlétisme département de Goudaou mo représenté won toute la région de Sédiou donc tay ñu ngi ñaan autorité administrative ñu jappelé ñu jappelé jeunesse du département de Goudaou ci walum infrastructure ay terrain soxlo nañ ko bu baaxa 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 ak équipement yi aussi ak formation yi la formation aussi des talents qui sont là waaw ci walum xey ndaw yi defena président de la république jotona ci wax té du président de la république mo ci jotta wax mbir momu ñepp ko sétlo nga nek ci dëkk bi nekko ci dëkk bi ak fo mu ta nek ci aduna bi problème xey ndaw yi partout la muy afrique fi muy europe waxut mo la sax biir sénégal donc nit ñi dañu xey di dem di outil fu ne donc ci biir momu tay administration sénégal gouvernement du sénégal ñi ngi poser ay acte nga xamanteni mu ngi dem ci biir momu au moins jappalé jeune yi ci lepp nak ci lepp ñu ngi gis amnañu fi ay agence ay infrastructure yi nga xamanteni dañ ko tek pour au moins jappalé nit ñi pour ni jeune yi gëna am liguey lolu dañu ñaan autorité gën ci japp bu baax baax gëna gestu département de Goudaou parce que département de Goudaou amuñu dara fi amul usine fi bo sété même ci walum nap bi sax amuñu infrastructure ay embarcadère yi nga xamanteni tay dina tax ba tay nap ñi nek ci nap bi yépp sama kat yi amuñu dara nañ jappalé ci walum infrastructure yi loolu la bëgg appel bobu la bëgg lancer di ñaan nit ñi ok merci c'est bon on a tout pris qui va envoyer laisse moi t'enlever le bouquet ah allez d'abord montre qui est-ce que on t'aime ensemble là on t'aime Bogar, le gars il fait le malin. Ouais, il est malin et tu vires. Qui est comme moi ça? Qui est? Ok. Il est magnifique. Allez-y. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Allez-y. Bonsoir à tout le monde. En l'espace de 2 ans, vous avez accueilli la jeunesse régionale. Cette année, vous avez accepté également de parrainer la jeunesse départementale dans le département dépourvu d'infrastructures sportives. D'abord, quel sentiment vous anime au regard de cette ambiance qui règne ici? Je voulais d'abord réagir par rapport à votre question.
véritable plan. Parce que toutes les autres familles sont disponibles pour la balam takunda way asiatale 3-0 c'est pas departamental non 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 quoi tu m'en lo voilà tenne be vidéo caméra là photo vidéo vidéo kar bi nga yobu ji nga sor wa dara nga ta sal man mom bien sûr taka non fait de boulot watambe interview la ma fenke ma djibe fam wa wa mayo way mayo woni bi ni xana fooy ma woni ni billah wallahi taala wen dana la ay bi defon fonu bari buton akodo kile dem maji fonu ko na ngi na sala bambulle
Non, t'es mal, c'est dangereux. C'est grave ça. Supporter, c'est pas facile, hein. C'est des problèmes, quoi. C'est des risques encore. Vous voyez ça? Yankar bu deug deug ngay gis ni yow fan nga yem sax nga pan pan kay digande sunu ko don ak deug bi fi ni man ko lu kunda waw aba sofo ni nga auto bi na je ma fon la bang sofo bier la Avec Alain Casa, comme on est vraiment s'amuser, Victor pour l'instant, on a l'habitude, les pros sont pour ça. Alain Casa, aujourd'hui, sollicité de partout, et puis on s'agit d'un peu avec un demande de l'interprétation.